Je m'appelle Jonathan, j'ai 37 ans. Je vous présente ma fille, Alicia, elle a 2 ans et 2 mois. Moi je m'appelle Guillaume, elle s'appelle Alma et on est des habitants du quartier. C'est la première fois que je participe dans un atelier. Et j'ai vu ça sur Facebook, comme quoi il y avait des ateliers avec Montmartre. Et du coup, vu qu'on habite le quartier, on a participé à cet éveil musical. Eh bien, on a participé à un atelier d'éveil musical. On s'est retrouvé avec d'autres familles en cercle, avec une auxiliaire de puériculture et une musicienne qui nous ont accompagnés à travers quelques petits ateliers pour enfants. Ma fille était assez éveillée, elle touchait un peu à tout, aux instruments, elle y a participé, elle a chanté. Je recommande cet atelier qui est très intuitif pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que vu l'âge des enfants, c'est très libre, on peut les laisser marcher, courir, ils en font un peu qu'à leur tête à cet âge-là, et le cadre permet ça. Ce que j'aime bien, à titre personnel, c'est que c'est un âge où ils ont un peu de mal à se concentrer, et de voir tous les autres enfants participer aux ateliers, ça les aide à intégrer, j'ai l'impression. D'être plus proche de ma fille, de ne pas utiliser mon téléphone portable que j'utilise lors de jeux avec ma fille chez moi en fait. Du coup là j'ai pas utilisé mon téléphone portable pendant 1 heure et ça m'a fait du bien d'être avec ma fille et l'accompagner en fait. Bon, déjà c'est rigolo de voir son enfant et puis de voir d'autres enfants. C'est marrant de voir qu'ils ont tous les mêmes réactions, mêmes situations. Là dans ce cas-là, ici c'était dans la crèche de notre fille, donc ça nous permet de voir la crèche sous un autre angle, ce qui est aussi assez rigolo. Au revoir, à bientôt.